Hello les amis, on se retrouve de nouveau dans Assassin's Creed Valhalla. On va continuer le Vincestre. Donc on avait déjà fait pas mal au niveau des ors, même des mystères, on en a fait la moitié. On a donc aussi avancé donc la première partie de l'histoire, on va faire la seconde aujourd'hui. Et bon, ça devrait aller assez vite pour cette zone, c'est une petite zone. Donc on connaît aussi le membre à tuer déjà, le premier, donc ça, ça va déjà nous avantager. Presque sûr que les trois sont vivants, hein. Celui-là qui soit désormais mort, c'est sûrement le chef des trois, mais à voir. On verra bien. Alors, elle saute quoi, n'importe où. Bon, au moins elle a descendu. Alors, on doit aller... Et on a... Ne respecte pas les lois d'Alfred. Il se croit au-dessus d'elles. Il se vautre dans la fange, guidé par leur bas instinct. Cet Hubert, sous l'effet de la bière, a dit du mal de l'évêque Elfert, vieux serviteur de Winchester, qui repose en ce moment même dans son linceul. Elfert n'était pas un homme de Dieu. Il brûlera pour ses péchés. Ta femme est une mégère braillarde, Burke. Y a-t-il ici un homme qui n'ait pas bu de l'hydromel avarié à sa coupe? Quand seras-tu satisfait de ton travail, Selwyn? Quand tu auras condamné tout Winchester? Winchester a rendu son jugement, Robert. Que Dieu ait pitié de ton âme d'ulcère et de chancre. Pourquoi est-ce qu'Elfred ne fait rien? La soif de sang de Selwyn finira par nous tuer tous. Les malheurs ne sont pas les bienvenus dans notre foyer. La liberté n'existe plus à vous. Personne n'est à l'abri. Ah, j'ai tué la femme avec. Désolé pour la femme, hein. Elle est dead. Hein. Ah.
simulacre de justice. Qui ose employer le nœud coulant du roi ? Ce n'est pas au nom d'Elfred que tu accomplis ton travail. Tu es le bourreau de l'ordre. Tu entrevois par-delà le voile, mais sans vraiment le percer. Les lois d'Elfred sont le rêve enfiévré d'un esclave. Il offre à des mendiants crasseux une place à sa table, où le faible dévore le fort. Qui est mieux placé pour décider du sort des miséreux que les quelques justes et les forts ? Pour protéger le peuple, il faut revêtir la main d'un gant de fer. Ce sont de petites gens que tu écrases sous ton talon, pas ceux qui le méritent vraiment. L'ordre condamne tous les hommes à souffrir, parce qu'ils ne sont que l'ombre de la perfection qui devrait régner. La perfection des anciens. Tu n'es rien qu'un homme, magistrat. Une branche morte sur un arbre qui meurt. Je dois retrouver Goodwin et savoir ce qu'il a découvert sur la plume. Ok. Déjà fini. Alors, on va... Là, derrière. Il y a une petite richesse. Alors, bien sûr, elle est pas si simple à récupérer. Il y a une porte qui est fermée. Les deux côtés. On a un trou de fenêtre. Non, on voit rien. Non, c'est pas un trou de fenêtre, c'est... Ah bah c'est curieux. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Ah ça, sans doute pas. Il n'y a pas d'ouverture. Même pour une flèche. Coincé. Je dois passer de l'autre côté. Toi, y a... Putain, mais c'est quoi ce cirque ? C'est comme ça qu'il faut tirer, je vois pas trop comment on peut faire autrement. Ah, c'est compliqué comme ça, mais je vois pas. C'est pas comme ça, comment on pourrait faire? C'est la seule ouverture que je vois. Ouais, ça a marché. Bon, compliqué quand même. Ils n'ont pas facilité les choses ici. Là, on a un artefact. Il serait temps de commencer à les récupérer, les artefacts. On n'en a fait aucun. Est-ce que c'est un tatouage encore ? Mais au moins deux tatouages, là. C'est le plus malfaisant de tous ! C'est pas des cochons. Waouh ! Il y a au moins trois tatouages dans l'histoire. C'est fou, quoi. On va pouvoir s'amuser avec ceux-là. Allez, Ivor.
côté. Alors, j'avais pas prévu que ce serait un gros comme ça. Là de nouveau, comme si je les avais embêtés. Troisième. Le troisième que j'élimine. Si celui-là il fait partie ou pas, ouais, on va d'abord faire ça en tout cas.
C'est une joute. Tu ne manques pas d'assurance pour une enfant. Tu en aurais autant si tu avais des jambes miraculeuses. Miraculeuses ? Elle me semble plutôt ordinaire, petite. Les apparences peuvent être trompeuses. Tu as entendu parler du grand Philippides, le héros d'autrefois ? Il a couru depuis Marathon pour annoncer au roi la victoire de son armée. Ensuite, tu sais ce qui est arrivé ? Il est tombé raide mort. Mort ? D'avoir couru ? C'était très loin. Les filles ne combattent pas, c'est la règle. Mais comme Philippides, je vais devenir la plus rapide messagère qui ait jamais vécu. Alors quand ceux du Nord vaincront les armées saxonnes, tu apporteras la mauvaise nouvelle à ton roi. Ces poules mouillées ? Aucun risque. Bon, tu veux courir ou pas ? J'ai battu des concurrents venus du monde entier. Dans ce cas, allons-y. Courir ? Et je cours où ? Voyons ce que valent tes jambes miraculeuses. Tu es rapide, je le reconnais. Mais tu ne me battras pas. Ah ouais? Apparemment, elle est bien plus rapide que toi. Tu es rapide, je le reconnais. Mais tu ne me... Bonne blague, elle est bien plus rapide que moi. Tu es rapide, je le reconnais, mais tu ne me battras pas. Tu ne manques pas d'assurance pour une enfant. Tu en aurais autant si tu avais des jambes miraculeuses. Miraculeuses ? Elle me semble plutôt ordinaire, petite. Les apparences peuvent être trompeuses. Tu as entendu parler du grand Philippides, le héros d'autrefois ? Il a couru depuis Marathon pour annoncer au roi la victoire de son armée. Ensuite, tu sais ce qui est arrivé ? Il est tombé raide mort. Mort ? D'avoir couru ? C'était très loin. Les filles ne combattent pas, c'est la règle. Mais comme Philippides, je vais devenir la plus rapide messagère qui ait jamais vécu. Alors quand ceux du Nord vaincront les armées saxonnes, tu apporteras la mauvaise nouvelle à ton roi ? Ces poules mouillées ? Aucun risque. Bon, tu veux courir ou pas ? J'ai battu des concurrents venus du monde entier. Dans ce cas, allons-y. Il y a un truc là. Voyons ce que valent tes jambes miraculeuses. Elle court bien plus rapidement que moi. Tu es rapide, je le reconnais, mais tu ne me battras pas.
Ah ouais, c'est une blague. Voyons ce que valent tes jambes miraculeuses. Aucun Saxon ne m'a jamais donné autant de mal que toi, ma petite. Je ne croyais pas qu'on pourrait me battre, mais tu cours comme le vent. Merci, ça a été un vrai défi. T'avoir offert cela est un grand plaisir. Tu aimes les endroits originaux ? J'ai couru dans tout le Wessex. J'ai trouvé des lieux effrayants et d'autres magiques. Ah, explorer, c'est ma grande passion. Je vais te confier mon journal. Je l'ai appelé « Les nombreux galops merveilleux des petites jambes miraculeuses ». Au revoir ! Ah bah dis donc, hein, ce défi-là. Alors c'est réglé. Point suivant. Là on en a nouveau, hein, on n'est pas sûr de quel endroit il est. Oh, il y en a un qui m'a tiré avec un gros truc. On y arrive, on y arrive. L'autre côté doit être barricadé. Ah, ça y est, ils ont un système spécial pour le... Alors...
Ça pour une petite richesse. Allez. Vois-tu, Osa ? Cette part de l'île assise à la droite de Dieu. Depuis la mort de Locke, je me pose des questions. Ok. Une clé, mon Dieu. Aide-moi, deviens mes yeux. Ah ouais, d'accord. Bon, pour l'instant, je voudrais récupérer ça. C'est bizarre, hein. Ouais, il devrait en avoir une qui est près là. C'est bizarre, on dirait. On dirait que c'est sur le toit. Ah, il m'a craché de nouveau. On reprend suite au crash. Donc j'en étais là avec tous ces trucs de clés qui est un peu partout. Non. C'est pas là. Il y avait au moins. C'est pas là aussi quelque chose d'important. Il y avait au moins 3 clés, hein. J'ai l'impression qu'on trouve en haut du monument. Et pas dans le monument. Mais il sera surtout enterré sur les terres de l'église. J'en profite pour récupérer l'opale déjà que je la vois. Il faut collectionner tellement. Il y a un défi, il faut en collectionner 250, donc faut pas hésiter à les prendre quand on les trouve. Ça. À la fin, on n'y en manquera sûrement plus tellement que ça. Alors bien sûr, la clé, elle est quand même là dedans. Pourquoi faut-il trouver comment on y rentre? Deuxième clé. Du coffre du monastère. Alors là, il y a une autre clé.
c'est la porte qui est fermée, c'est ça? Par la clé. Ah d'accord, il y en a une là-dedans. Qui redonne des portes à clé. Eh ben dis donc, c'est le vrai souffle. Le souffle. Que vois-tu, ma vieille amie? Bon, je pense qu'il aurait fallu d'abord récupérer celle-là. Là-bas. Oh, c'est le site, les clés, hein. Il y en a tellement que c'est un vrai bordel. Guide-moi, Sinine. C'est bien à l'intérieur, la clé. Hop, descends. Tu peux donc aller là-dessus. On va faire croire que tu peux pas aller là-dessus. Ouais, j'arrive pas à sauter en arrière. J'arrive pas à aller de côté. Bon, une fois que je veux qu'il saute de... en arrière, il veut pas. Que la clé, elle est là sur... Comment on saute en arrière? Là il monte, mais c'est pas là qu'on veut qu'il monte. Ah, là il monte. Voilà, on est enfin sur le truc. Troisième clé du vieux monastère. Ah bah dis donc. Il y a trois clés. Montre-moi. Bon, il y a énormément de choses ici. D'ailleurs, il y avait une hauteur, je ne l'ai même pas fait. Helena, it's
Là, c'est en haut. Décidément, c'est bizarre. Ah ouais. C'est pas si simple, hein. C'est complexe, mais incroyable. Trouver la clé. J'en ai déjà plein des clés, mais bon. C'est pas assez, hein. Bon bah on va chercher des clés hein. Là il y en avait une qui montrait. Va voir. Ah, je la vois plus maintenant. Ah, moi il me montrait une clé, voilà. Non. Montre celle-là là-bas. Oh là là, c'est balèze quoi. Il y a des clés partout, ils sont pas si simples à récupérer. Là même pour sortir, il faut chercher. Que j'étais en haut avant et que j'avais pas fait attention que j'ai... c'était un point d'observation. J'avais pas fait attention à ça. Si j'ai pas plutôt envie de faire ça là-bas, je prendrais moins chaud. Enfin, il y a la peste.
Et voilà, t'es bien mort comme tu voulais. Tiens, on a une porte. Je dois passer de l'autre côté. Toujours, c'est jamais aussi ça. Lettre à sa mère. J'ai prié tant de jours que mes genoux sont douloureux. Je crains que Dieu me fasse la sourde oreille. L'évêque est un crétin qui dit que mes prières ne sont pas assez ferventes. J'essaie de prier après m'être enivré, mais j'ai vomi sur le calice. Je crains que mes péchés ne soient plus lourds que ma foi. Foi, foi, j'ai envie de foi. J'adore le foi, envoie-moi de l'argent. Barde Tuka avec le sceau de la résistance épiscopale. C'est ce truc qui est tellement proche, c'est qu'il est en hauteur, quoi. Lumineux que c'est un peu embêtant. Ça m'a donné la solution pour l'autre. De femme. Considération démente. Ce linceul d'acier battu est brisé sans valeur, mais le plus précieux à mes yeux que 1000 pièces d'argent. Je l'ai arraché à la carcasse d'un roi mort depuis longtemps. Celui qui a retenu le feu qui se répandit de mer en mer. Il a repoussé l'invasion, abattu les corbeaux dans le ciel. Pourrais-je en faire autant? Il fredonne à mes oreilles, mais je n'entends pas sa mélodie. Le cap de femme, est-ce que c'est vraiment plus intéressant? Bof. Ah, ça c'est les compétences. Il en manquait un là, on va l'enlever. Il y en a où encore? Là j'ai du mal à en trouver carrément. Il y en a un. Bon, on peut enlever celui-là là. Ah, ça semble plus 41-29. En plus, ça c'est améliorable. Donc 46, 32. Ah, c'est clairement plus fort. 22. À part pour un truc. Beaucoup de moines ici. C'est là-dedans ou
pas. Ah oui, c'était là-dedans, mais il faut casser la porte. Ok, on a compris, normalement, il devrait... S'il veut bien devenir rouge, ce serait bien. Ah, il était rouge, mais ça n'a pas marché pour autant. Non. Non mais c'est souterrain leur truc ou quoi? Ah flûte! C'est en souterrain. Ça on peut chercher hein, pendant un bout de temps quoi. Souterrain. Plus que ça. J'ai pas l'impression que c'est dans le bâtiment. Alors, comment on va en dessous? Bonne question. Bon, je crois que celui-là, je le chercherai plus tard. Parce que sinon ça va me prendre un temps fou. Celui-là je crois qu'il est en dehors mais je vais quand même le prendre. Je vais tout de suite parce qu'après c'est trop tard. Beaucoup d'énergie. Dommage.
Inspecte les alentours, Sini. Ça, c'est toujours des trucs à récupérer, les opales, mais bon. Alors, ce que je cherchais sur le moment, c'est plus du tout dans. J'arrive plus à voir du coup. Bah, il me l'a enlevé, c'est pour ça qu'il est si plus. Passer dessus, faut. Ah, c'est bon. C'est pas grave, on a compris le truc, hein. Pose la question à propos des clés. Je cherche, je trouve deux peut-être. Ok, c'est un artefact, je cherche même pas là-bas sur le moment. Ça nous demandait de pousser vachement loin. Clé de la bibliothèque du séminaire. Ok, on va s'arrêter vers là maintenant. Peut-être faire un petit truc encore, mais on va s'arrêter. Texte empoulé. Le dernier oppresseur païen a quitté la Bretagne en l'an 407 de notre Seigneur. L'anarchie régna alors. Les tribus s'entre-déchirèrent d'arrache-pied, pas à pas, des terres et des richesses, et notre bonne ville fut abandonnée et fit même par tomber en ruine. Clé d'entrepotage du séminaire de je sais pas quoi.
qu'il y avait plus quoi. Bon, voilà, on a à peu près les clés. Ce qui est bizarre, c'est que... C'est bizarre, ça. Voilà. Voilà, la suite la prochaine fois. Il nous restera pas mal de richesses dans l'autre coin. Un artefact, c'est encore... Ok, tout ça c'est pour la prochaine fois. On va s'intéresser à la plume aussi. Allez, bye bye les amis.